On appelle cela l'onde de printemps. Les vannes de pertuis de 5 écluses de l'Aulne canalisée sont ou vont être prochainement ouvertes en amont de Châteaulin pour permettre aux poissons migrateurs de remonter la rivière. Une expérimentation menée par l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne depuis quelques années. Au printemps, en fait, il y a beaucoup de poissons migrateurs dans l'Aulne qui essayent de remonter pour atteindre leur zone de reproduction. Donc ces poissons migrateurs, ce sont les aloses, les lamproies, les anguilles et surtout le saumon. Et en ouvrant les vannes, en fait, on leur facilite le travail. Au lieu d'avoir à sauter les barrages qui font 1,50 m, 2 m de haut, ils ont plus qu'un tout petit dénivelé à passer dans la vanne. Le niveau de l'Aulne ne baisse de plus d'un mètre dans les tronçons concernés. Le paysage en est modifié. Mais pour ce guide pêche qui, du coup, peut descendre dans le courant, c'est plutôt une bonne chose. À partir du moment où ça permet aux migrateurs de monter plus en amont et de favoriser la reproduction, bien sûr que je suis d'accord pour que le débarrage continue. Après, quels sont les impacts sur les autres espèces de poissons, que sont les poissons blancs et les carnassiers, ça non plus, je n'ai pas de résultat d'étude ou quoi que ce soit. D'autres pêcheurs regrettent en effet les modifications de l'écosystème du canal occasionnées par ces débarrages ponctuels. Pour eux, le fait de vouloir faire à tout prix remonter des saumons issus de pisciculture est artificiel. On a quelques migrateurs qui sont issus toujours, je pense, des sources de l'Aulne naturelle. Ils migrent très bien, j'en comptabilise tous les ans, quelques dizaines. Donc pour vous, il n'y a pas besoin de ces débarrages? Ces débarrages sont d'une nullité, ils ne servent qu'à détruire ce canal et à baisser les niveaux des frais des poissons blancs. Les rives sont attaquées et érodées. Et elles sont en train de s'affaisser. Les courants ont commencé à saper la muraille. On sapait la muraille, puis c'est écroulé. C'est un phénomène physique. La décision de pérennisation des débarrages de l'Aulne ou de l'arrêt de cette expérimentation sera prise l'an prochain.